Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Mais Encore, le 55e, où on va faire du Dodge and Burn avec Lightroom. Alors, pourquoi cette vidéo? Je vous ai démystifié il n'y a pas longtemps le Dodge and Burn avec Photoshop. Je vous rappelle que Dodge, j'éclaircis, Burn, j'assombris. Donc, sous Photoshop, c'est un calque avec une courbe plus claire, un autre calque avec une courbe plus foncée. Et avec des masques de fusion, vous décidez ou pas d'afficher l'image plus claire ou l'image plus foncée. Eh ben, sur le forum Chasseur d'images, il y a un gars qui disait, vous voulez quoi comme nouvelle fonction pour Lightroom? Et je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir le Split Frequency, puisqu'on a déjà le Dodge and Burn. Et là, ils ont été assez étonnés, certains en me disant, ah bon, on peut faire du Dodge and Burn avec Lightroom? Ben, j'ai dit oui, et je vais vous montrer comment, vous allez voir, c'est assez simple en fait. Donc, Dodge and Burn, je vous rappelle, Dodge, j'éclaircis, Burn, j'assombris. Là, on va travailler sur l'œil de Marie Angelos, qui nous avait servi de modèle lors d'un workshop retouche beauté avec notre ami Denis de la Oui Family, et je vais donc utiliser pour faire du Dodge and Burn simplement ici le pinceau de retouche. Donc qu'est-ce que je veux faire? Là, on va pas faire des calques, mais en fait tout ce qui est retouche locale, c'est un peu des calques puisqu'on peut en faire plusieurs avec des choses différentes dedans. Donc là, je vais d'abord m'occuper d'éclaircir. Donc si j'éclaircis, ben, je vais par exemple monter l'exposition de mon pinceau ici de retouche. Ensuite ici, j'ai la taille, d'accord? Donc la taille ici, ben, vous choisissez hein, la taille. Alors si vous voulez par exemple travailler plus finement, vous pouvez très bien passer en 3-1 ici, d'accord? Et là, je vais pouvoir travailler plus finement, d'accord? Au niveau de la chose. Donc la taille ici, je vais la réduire un peu, je vais faire quelque chose comme ça. Contour progressif, donc ça c'est vous décidez si ici il y a plus de progressif sur les bords de la brosse. D'accord? C'est un peu comme la dureté dans Photoshop, hein, c'est la même chose. Et là le débit, vous déciderez, ben, est-ce que l'effet s'applique quand je passe une seule fois? Donc là par exemple si je mets un débit à 100 et je mets ici, alors on va mettre une exposition plus forte. Vous voyez que je passe tout de suite, c'est le truc maximum. Je suis à la tablette hein, pour information. Tandis que si je mets un débit ici qui est plus faible, si je fais une ligne comme ça, vous voyez que c'est moins et qu'il faut que je passe plusieurs fois pour avoir le même effet qu'au-dessus. Ça, c'est ça la notion de débit. Alors là, on va pas garder ça, hein, ça sert à rien. Et on va se mettre à un débit, on va dire à. Allez, on va se mettre un débit à quelque chose comme 25, 22, voilà. Quelque chose comme ça. Et évidemment, l'exposition pas à 2, puisque je dirais, le Dodge and Burn, c'est léger. Hein, donc, on va faire quelque chose inférieur à 1. Là, je suis avec la tablette. Je suis donc, c'est sensible à la pression. Donc, plus je vais appuyer, plus ça va éclaircir. Mais on n'est pas obligé d'appuyer comme un bourrin. Hein, on peut y aller doucement. Donc, je suis prêt. J'ai mon truc, mon machin. OK. Je vais commencer, je vais éclaircir par exemple un peu le dessous de l'œil là, et puis ensuite j'irai éclaircir, ben, je vais le faire tout de suite, je vais éclaircir ici. Alors d'abord, vous avez votre point qui se met, d'accord? Puis ensuite, ben, vous y allez, hein? Vous commencez à peinturlurer ici les zones que vous voulez éclaircir, tout simplement. Voilà, donc moi je vais éclaircir cette zone-là. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais éclaircir ici. Alors, c'est toujours assez fin comme type de retouche. Donc, vous avez peut-être l'impression que je fais rien, mais vous verrez que quand je vous ferai un avant-après, vous verrez tout à fait la différence entre le coup d'avant et le coup d'après. Ça se voit d'ailleurs ici, hein, à ce niveau-là. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc là, j'ai éclairci un peu le dessous de l'œil. Ok, ensuite je vais revenir en zoom 1-1 pour m'occuper de la partie qui est en dessous là. D'accord? Donc là, je vais y aller doucement. Je vais juste éclaircir un peu là comme ça pour qu'on voit moins cette espèce de petit triangle en dessous de l'œil. Là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, là j'ai éclairci. Si je vous fais un avant-après, vous allez vous en rendre compte. C'est-à-dire que. Voilà, vous voyez, j'ai bien éclairci, hein, ça se voit quand même. Ok? Ça se voit d'ailleurs trop à ce niveau-là. Hein. Mais ça, éventuellement, on pourra régler après. C'est-à-dire que vous pouvez ici
changer ce qu'on a fait, d'accord? Vous pouvez revenir dessus. Là, par exemple, on voit que j'ai pas bien éclairci là, donc je peux passer éventuellement encore un petit coup comme ça, un peu moins sur les bords pour avoir ici, je suis pas passé, je vais passer plus. Là, un peu plus fin sur les bords. Là, en appuyant moins, et donc là, vous pouvez tout à fait revenir au niveau qui vous intéressait, d'accord? Donc quelque chose comme ça me va pas mal. Donc ça, j'ai fait le dodge. Bah, le burn, c'est le même principe, hein, vous avez compris. Donc je fais nouveau ici, je baisse ici mon exposition, et je dis par exemple, bah, je veux ici assombrir le sourcil, donc je passe simplement ici avec mon truc, je l'assombris un peu, voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, je peux zoomer un peu si je veux travailler plus finement sur l'œil. Voilà, donc là, je veux par exemple ici que les cils soient un peu plus foncés, que cette zone-là, là, elle soit un peu plus foncée. Éventuellement, celle-là aussi un peu. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, je veux assombrir juste là le bord. Donc, je vais réduire la taille de ma brosse. Et je veux assombrir juste un peu comme ça. Voilà. Un peu plus là. Et pour que l'œil ressorte un peu plus. Voilà. Et donc j'ai terminé ici. Je vais revenir là en 1-1. Pardon. Voilà. Et si je vous fais un avant-après. Vous allez bien vous en rendre compte, hein. C'est-à-dire que voilà, là c'était avant et là c'est après. On voit quand même bien la différence. Alors je vais zoomer pour que vous puissiez la voir mieux. Hop là, on va zoomer pour que vous puissiez la voir mieux. D'accord? Donc avant, après. Voilà, ça c'était avant, ça c'est après. Bon, ben ça s'appelle du dodge and burn. Et vous voyez qu'on peut tout à fait le faire avec Lightroom. On n'est pas obligé de passer dans Photoshop, c'est quasiment aussi pratique, puisque vous pouvez revenir ici, vous pouvez changer, avec Alt, vous pouvez effacer certaines parties. Si vous trouvez que vous avez été trop... si je prends par exemple là et que je dis là, par exemple, vous voyez, je trouve que j'étais un peu trop fort, ben c'est simple, je reprends la partie où j'assombris, donc la partie où j'assombris, c'est celle-là, hein, puisque c'est là que j'ai le moins 0,72. Et vous allez simplement appuyer sur Alt. D'accord? Donc là, Alt, je suis un débit à 100%, donc je vais effacer d'un coup. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Je veux un débit qui est plus faible d'effacement. Et je vais simplement passer comme ça. Voilà. Et là, ça va juste me l'atténuer un peu pour que ça soit un peu moins foncé. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous donnera envie de tester ce genre de choses. Alors, je le rappelle, le dodge and burn, la technique n'est pas compliquée. C'est-à-dire, on assombrit, on éclaircit. Ce qui est compliqué, c'est de savoir où le faire. C'est-à-dire que pour faire ressortir un nez, une bouche, des yeux, il y a certaines techniques où on applique justement l'éclaircissement ou l'assombrissement. Et c'est ça qui est compliqué. Le truc dodge and burn en lui-même, c'est juste j'éclaircis ou j'assombris, c'est pas bien compliqué. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.